C'est dans le souci de voir avancer les travaux de construction des salles de classe et des amphithéâtres que le ministre gabonais en charge de l'éducation nationale et l'enseignement supérieur et ses collaborateurs ont effectué une visite de chantier hier vendredi à Libreville. Vous avez constaté que des travaux qui étaient inachevés au mois de septembre sont totalement achevés dans beaucoup de bassins pédagogiques, ce qui nous permet d'organiser la rentrée de janvier en utilisant déjà certains des nouveaux bâtiments qui sont livrés. Voilà une approche qui, pour Séraphin Mundunga, permettra aux élèves et leurs enseignants de travailler dans de meilleures conditions. L'objectif étant, celui qui nous a été fixé par le président de la République, chef de l'État, c'est d'atteindre à la rentrée de septembre 2014, des effectifs de 50 élèves maximum en moyenne par salle de classe, et à la rentrée de septembre 2015, des effectifs de 35 élèves par classe. Pour le moment, nous avons encore des effectifs surchargés, mais au fur et à mesure que les classes sont livrées, la réduction des effectifs est en train de s'opérer à l'avantage aussi bien des enseignants que des élèves. Plusieurs salles de classe et amphithéâtres seront mises à la disposition des élèves et étudiants dès la reprise des cours, tant dans les lycées et collèges qu'à l'université Omar Bongo et dans les grandes écoles sur toute l'étendue du territoire national. La Journée nationale des personnes handicapées du Gabon s'est poursuivie ce samedi avec des activités sportives à Libreville. Cyclisme, basket et football étaient au rendez-vous. Une journée qui vise à combattre les inégalités sociales. Nous avons pensé que au Gabon, l'émergence ne peut pas faire sans la personne handicapée comme acteur de développement. Ça, c'est le thème national. On recherche l'autodétermination de la personne handicapée, en quelque sorte. Donc, nous nous sommes alignés à ce thème mondial pour dire que, sur le plan national également, l'émergence ne peut pas faire sans la personne handicapée. Nous sommes les acteurs du développement de cette nation. Si tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, et s'ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité, le ministère des Affaires sociales ne déroge pas quant à elle à cette règle. Dans le plan d'action gouvernemental, le problème des handicapés est bel et bien pris en charge dans le plan stratégique Gabon émergent. Et quand vous voyez l'avenir en confiance, cette prise en charge est bel et bien exprimée dans l'axe 9 qui parle d'exclure les inégalités et les injustices dans notre société. Au-delà de l'aspect festif de ces journées, ces personnes handicapées attendent toujours beaucoup de l'État gabonais dans la prise en compte de leur réelle insertion sociale. Rendez-vous est donc pris pour décembre 2014 dans l'espoir de voir leurs conditions s'améliorer. C'est tout ce matériel d'équipement sportif remis officiellement ce week-end à l'Association sportive de l'Université Omar Bongo par le secrétaire général adjoint 1 du ministère des Sports, un don qui n'a pas laissé les autorités de cet établissement supérieur et les premiers bénéficiaires insensibles. Cette remise d'équipement sportif vient à point nommé. Cet acte que vous allez poser tout à l'heure rentre dans le droit fil de la vision de M. le recteur, qui a décidé de sa prise de fonction comme premier acte majeur de remettre l'étudiant au centre des activités de l'université. Satisfaite de ce que cette dotation ait donc réjoui tous les bénéficiaires, la représentante du ministre des Sports a appelé la jeunesse sportive à en faire bon usage. Monsieur le ministre nous a instruit et nous sommes là aujourd'hui avec moi les présidents des fédérations qui ont été sollicités dans le football, les sports collectifs, le football, le basket, le hand et le volley, et leur ligue de l'estuaire pour pouvoir accompagner cette association dans l'organisation de ces manifestations sportives au sein de l'université. Tout ce que je souhaite, c'est que vous gardez bien ce matériel et que lors des finales des départements, de toutes les disciplines, vous nous invitez, nous serons là. Je vous remercie. Signalons qu'au-delà de ce matériel sportif, la présidente Nicolas Sellé a également remis à cette association une enveloppe de 1 million de francs CFA afin de mieux faire renaître leurs activités. Cette soirée a tenu toutes ses promesses. Au total, 4 combats de haute facture. Des combats qui ont tenu en haleine le public venu nombreux au gymnase du Pritané militaire de Libreville cette nuit de vendredi. Plusieurs combats ont été enregistrés, parmi lesquels celui du premier Gabonais Petit Jésus dans un combat international semi-professionnel face à Badmus Olakunle du Nigeria. Le combat a vu la victoire du Gabonais au 4e round, et ce, à la demande d'arrêt du combat par l'entraîneur nigérien.
Le combat pour le titre tant attendu entre Justlin Taylor Mabika du Gabon face à Prince George Akran du Ghana a mis le gymnase en effervescence. Un combat prévu pour 12 rounds de 3 minutes. 7 rounds ont suffi au boxeur gabonais pour mettre au tapis le géant ghanéen. La joie était à son comble chez les dirigeants et les supporters gabonais.